Voilà. Ok, parfait. Donc, il faut savoir que depuis le début, le CEO Cyprien, il a toujours été transparent. Desde el principio, Ciprián Chicheu, el fundador de la plataforma, ha hecho muy transparente con vosotros. Since the beginning, Mr. Cyprian Cicero, the CEO of this company, has always been transparent with you guys. Von Anfang an, Cyprian Cicero, der CEO von der Company, war sehr, sehr transparent mit uns und hat uns alles mitgeteilt und uns alles gezeigt. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a décidé de lui faire confiance. Y de verdad es por esa razón que tenemos confianza en Cyprián Chicheu, porque todo lo que dice lo hace. And this is why we're all confident about this gentleman, Cyprian Cicero. Und das ist, weil wir alle sehr confident sind mit Cyprian Cicero, mit dem Gründer der Firma und warum wir alle gestartet haben. Alors évidemment, ce n'est pas parce que on rencontre des difficultés qu'il faut tout remettre en question. No quiere decir que porque hay dificultades en la plataforma, que es una plataforma nueva, que eso quiere decir que toda se va a caer. It is not because we are facing small challenges that the company will collapse. Es ist nicht so, dass wir, wenn wir kleine Schwierigkeiten haben, dass die Firma gleich den Bach runtergeht oder dass sie kollapst. Alors maintenant, on a le CEO qui vient d'arriver dans la salle. Je vais lui laisser la parole. Évidemment, il va vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé et les solutions qu'il veut justement apporter par rapport à cela. Ahora acaba de llegar Cyprián Chicheu, el fundador de la plataforma. Él va a explicar todo lo que ha pasado esta semana y va a compartir soluciones para el futuro, para que pase bien con la plataforma Mynet. And who is better than our CEO to talk about exactly those small challenges that we are facing right now? And he's going to explain us everything you need to know tonight. Und wer, wenn nicht der Mann selber, Cyprian Cicero, der CEO von der Firma, will uns diese kleinen Challenges erklären und wir sollen alle genau zuhören. Alors évidemment, je me tiens toujours disponible dans tous les groupes, afin, lorsque Cyprien va faire son intervention, pour toutes les personnes qui auront des questions par la suite, je me rendrai toujours disponible pour répondre à vos questions. Estoy siempre disponible para contestar a vuestras preguntas por si acaso. Me quedo aquí al lado de Cyprián Chicheu por si acaso. And of course, guys, if you need any assistance from me, I will always be here to help you guys in those different groups. Und wenn ihr irgendwelche Hilfen braucht in verschiedenen Gruppen, Joseph will immer hier sein, um euch zu helfen oder euch zu unterstützen. Voilà, maintenant je vous laisse avec donc notre CEO Cyprien Cicero qui va intervenir maintenant. Salut Cyprien, comment tu vas? Bonsoir à tous, bonsoir Joe. Merci beaucoup pour l'introduction que tu as faite. Je voudrais vous saluer tous et je vous dire une bonne soirée à tous les traducteurs qui vont m'aider à faire passer le message que je dois vous faire passer ce soir. Buenas noches a todos. Estoy muy contento de estar aquí con vosotros. Muchas gracias a vosotros y muchas gracias por los traductores que están aquí. Good evening, everyone. Thank you for being here tonight. I'm very pleased to be here and good luck to all the translators tonight. So, schönen guten Abend vom CEO. Er ist froh, hier zu sein und wünscht uns viel Spaß und viel Glück an alle Übersetzer hier. Comme je vous ai habitué jusqu'à maintenant, ce soir, vous allez avoir la réponse à toutes vos questions en toute transparence, comme je l'ai fait depuis le début. Hasta hoy, todo lo que he dicho, lo he hecho. Entonces, esta noche, vosotros vais a tener todas las respuestas a las preguntas que tenéis. As I always did up to now, I've always been very transparent with you guys, and tonight, you will have all your answers. Und wie ich es immer gemacht habe, ich bin immer sehr transparent gewesen euch gegenüber und auch heute werde ich alle Fragen beantworten. Pour détendre un petit peu l'attention de la dernière semaine, je tiens à vous dire que tout dépendra aussi de vous, comment vous allez prendre ces nouvelles, parce que pour moi, ces nouvelles sont positives, mais pour certains d'entre vous, au début, elles pourront paraître négatives.
Para quitar un poco el estrés que había pasado esta semana, voy a comentar varias soluciones. Puede ser diferente para gente, puede ser positiva para cualquier persona y puede ser negativa al principio, ¿vale? So to de-stress a little bit the situation, I'm going to announce some information. Some of you will take it positively, others negatively in the beginning, but I'm sure you will like it. So, ich werde einige Informationen preisgeben. Wir haben in der letzten Woche sehr viele Ups und Downs gehabt und sehr viele Nachrichten bekommen. Und viele werden diese Nachrichten für gut heißen, viele werden sie für schlecht heißen, aber auf die lange Sicht werden sie alle lieben. Pour entrer directement dans le sujet, il y a quelques mois de ça, nous avons reçu une lettre qui a été adressée à un membre de MyNet par la FSMA, une lettre que j'ai fait circuler publiquement. Al principio, cuando hemos empezado el negocio, ha llegado un correo a un inversor de MyNet y eso lo he compartido con mucha gente, con toda la gente de MyNet. So what actually happened is that a member of MyNet received an important letter that I shared with all of the people. Was aktuell passiert ist, ein Leader von MyNet hat einen Brief oder eine Nachricht erhalten, was ich mit den Leuten teilen werde. Cette lettre n'était pas adressée à moi, cette lettre était adressée à lui, parce que ce membre MyNet s'était fait passer pour moi. Pour avoir certaines informations de la MF en France. Esta carta no estaba para mí, porque la persona ha utilizado mi identidad para comunicar con el organismo en Francia, en la MS. Il n'a pas utilisé mon identité, il a utilisé son identité, mais il s'est fait passer pour le CEO de MyNet. Ok, no ha utilizado la identidad de Ciprián, pero ha puesto el nombre como el fundador, ¿vale? Para comunicar con la MFCA a Francia. So the gentleman, this letter was not intended to me, but to a person that introduced himself as CEO to get some information from the AMF. Dieser Brief war nicht an den CEO Cyprian Cicero gerichtet, aber er war mit dem Namen von Cyprian Cicero versehen, um irgendwelche Informationen von gewissen Sachen herauszufinden, also gefälscht. Cette lettre, c'est une lettre officielle, après vérification, parce qu'au début, je ne pensais pas que c'était une lettre officielle. C'est une lettre officielle, une lettre que, dans un souci de transparence, j'ai partagée avec vous. Et on peut le partager encore si jamais des gens ne l'ont pas eu ou n'ont pas eu connaissance de cette lettre. Es una carta oficial, ¿vale? No lo sabía al principio, pero es una carta oficial. Es por eso que lo he compartido con vosotros. Y si hace falta, lo podemos compartir de nuevo. After verification, we find that that was an official letter. And we have been sharing this letter to many of you guys. And if we need, we can share it again for many people. Wir haben herausgefunden, dass es ein offizieller Brief war. Wir haben es vielen Leuten gezeigt und wir könnten es auch jetzt, wenn ihr wollt, oder späterer Folge dann wieder mit euch teilen, um euch Einblicke in den Brief zu geben. Après cet échange, MyNet a été mis sur blacklist de l'AMF. Después de esa comunicación, la empresa MyNet ha ido en la lista negra de la AMF, la AMF, que es la autoridad de mercado francés. So after the exchange with this letter, MyNet has been put into the blacklist of the AMF, which is basically the French market regulation of finance. Nach dem Brief hat natürlich die Finanzbehörde von Frankreich MyNet auf die Blackliste gesetzt. Nous allons directement contacter notre service juridique et nous avons commencé à entreprendre les démarches
légale afin de pouvoir expliquer la façon de travailler de Mynet. Nosotros hemos empezado a trabajar con el servicio jurídico para explicar cómo funciona la empresa Mynet, de cualquier manera funciona. So we act immediately and we started to work with our jurisdictional department to show them how does Mynet work. Wir haben umgehend reagiert und mit unseren Leuten das geklärt und denen gezeigt, wie Mynet operiert und funktioniert. C'est une démarche qui prend du temps, mais ce n'est pas quelque chose de impossible. Es un paso que pide mucho tiempo, pero no es imposible. This is a step that is going to take a little bit, but that is not impossible. Das ist ein Schritt, der ein bisschen Zeit aufwendet, aber es ist nicht unmöglich. Il faut savoir que nous avons nos licences financières à Saint-Vincent-les-Grenadines. Donc, au tout début, je n'ai pas trop prêté attention. Enfin, ce n'est pas que je n'ai pas prêté attention. Vu que nos licences financières se trouvent à Saint-Vincent-les-Grenadines, nous avons quand même continué à travailler de la façon dont nous travaillons maintenant. Nuestras licencias financieras están en San Vicente de las Granadinas. Es por eso que hemos continuado a trabajar como antes, como siempre. As our financial licenses are based in the San Vicente and the Grenades, we just work out this way. So, unsere Finanzlizenzen sind ja in St. Vincent und den Grenadines registriert und deshalb operieren wir von dort aus. Cette lettre date du mois de janvier. Esta carta tiene la fecha del mes de enero. This letter is dated from January this year. Der Brief ist vom Jänner, vom Januar dieses Jahres. Il faut comprendre que ce genre de lettre officielle, beaucoup de sociétés auraient profité pour faire un exit scam à ce moment-là. Es muy importante de saber que con este tipo de carta oficial, muchas empresas se puede utilizar este tipo de carta para hacer estafas. It is very important to understand that many companies would have taken the advantage of exit scam with this letter. Und es soll zu verstehen sein, dass normalerweise mit diesen Umständen würden viele Firmen einfach einen Exit Scam machen und verschwinden. Nous on l'a pas fait, vous allez comprendre pourquoi et je pense que vous devez le savoir. Je ne dois pas vous expliquer. Mynet est une société sérieuse et nous avons un réel produit derrière. Nosotros no lo hemos hecho. Creo que vosotros lo sabéis y yo creo que no hace falta explicarlo. Pero ¿por qué? Porque Mynet es una empresa seria, una empresa que tiene un producto real. And we did not choose this option because you know that we are a transparent company, we are a serious company with a real product behind. Und wir haben natürlich nicht diese Option eines Exit-Scams gewählt, weil wir eine hundertprozentige Transparenz haben, weil wir eine transparente Firma sind mit einem realen Produkt im Hintergrund. Je n'ai pas fait de déclaration publique à ce moment-là, tout simplement parce que nous avons travaillé en interne afin de trouver la solution et de pouvoir nous mettre en ordre aussi avec la FSMA en France. Parce que, pourquoi nous avons besoin de ça? Parce que la majorité de notre réseau se trouve en France. No he hecho una comunicación cuando ha llegado la carta, porque tenemos que... J'ai pas, excuse-moi, Cyprien, tu peux juste répéter le début. Pourquoi tu n'as pas expliqué ça au départ?
Je n'ai pas expliqué ça au départ parce que nous avons travaillé directement avec le service juridique pour pouvoir entreprendre les démarches, pour nous mettre en ordre aussi avec la législation française, vu que la plupart du réseau se trouve en France. Ok, no, no hemos comunicado sobre esta carta porque hemos trabajando al lado de la MSMA en Francia con el servicio jurídico para que la empresa Mynet puede ser de manera muy legal con el Estado francés. As up to now, we didn't communicate. I did not communicate because I was checking the options with my jurisdictional department. And as you know, most of the network is based in France, so we had to find a solution to be legally with the FSMA as a organization in France. Ich habe in der Zwischenzeit nicht mit euch kommuniziert, weil ich auf der Suche war nach irgendeinem Weg, wie wir es schaffen, mit der französischen Regulationsbehörde das zu machen, dass wir mit der FSA oder wie die heißt in Frankreich legal sind und operieren können. Eine Lösung zu finden. Donc, pendant toute cette période, nous avons continué à travailler normalement, sans profiter de ça pour arrêter la compagnie. Durante todo este tiempo, hemos continuado a trabajar para que no la compañía se para de trabajar. And as up to now, we still continue to work so that the company will not stop. Und wie ihr seht, wir sind noch immer hier und wir werden weiterhin arbeiten und die Firma wird nicht stoppen. Directement après que Mynet a été blacklisté par l'AMF en France, l'AMF a envoyé aussi un courrier à Saint-Vincent-les-Grenadines, courrier qui m'est parvenu lors de l'événement en Égypte, plus ou moins aux alentours du mois de mars-avril. À partir du moment où l'AMF à France, qui est l'autorité du marché financier à France, ha puesto Mynet en una lista negra. La carta que ha llegado por mí, hemos continuado a trabajar y la carta me ha llegado sobre el mes de marzo cuando hemos hecho el evento a Egipto. So to be very transparent with you guys, when we were blacklisted by the AMF in France, I have received this letter during the event in Egypt. It was in March, April. Mit euch transparent zu sein, wenn wir blacklisted wurden von der französischen Finanzbehörde, den Brief habe ich bereits in Ägypten während des Events erhalten. J'ai reçu la lettre, mais l'AMF a contacté Saint-Vincent-les-Grenadines pour leur annoncer que la compagnie qui était basée à Saint-Vincent-les-Grenadines était blacklistée en France. Donc j'ai reçu cette information pendant l'événement en Égypte. Donc l'autorité financière de Saint-Vincent-les-Grenadines a été informée que Mynet est blacklistée en France. OK. El servicio a San Vicente las Granadinas. Ha llegado un mensaje como la compañía Mynet a Francia está en una lista negra. Y la información ha llegado a Cyprien durante el evento de Egipto sobre marzo. So the company of Mynet in Saint Vincent and Grenadines has been received an information that Mynet was blacklisted in France. And this information was received during the event of Egypt between March and April. Okay, genau zu sein, Mynet in St. Vincent and the Grenadines, die Registrierung hat den Brief bekommen, dass Mynet in Frankreich blacklisted wurde von den Finanzbehörden und das fand im März, Ende März, Anfang April während des Incentives in Ägypten statt. Les courriers, les lettres sont disponibles. Je les ai partagés dans le groupe de Crown Diamond. Donc, vos leaders ont ces lettres et pourront les partager avec vous pour que vous puissiez vérifier l'authenticité de ces documents. La carta ha llegado y está en el grupo de los líderes que están Crown Diamond. Y claro, que se puede compartir con vosotros porque si alguien quiere ver esta carta, se puede sin problema.
So I shared all the letters in the Crown Diamond group. So if any of you want to see those official letters, you can reach your leader to read it. So ich habe diese Briefe oder diese Schriftstücke in der Crown Diamond Group geteilt und gezeigt. Wenn jemand diese sehen will, bitte kontaktiert euren Leader bzw. eure Upline und ihr werdet sie von dem bekommen. Encore une fois, malgré tous ces avertissements et malgré toutes ces lettres, la compagnie Mayonnaise a continué à avancer et nous avons de nouveau entrepris toutes les démarches nécessaires pour de nouveau être en ordre aussi par rapport à la licence de Saint-Vincent-les-Grenadines. Además de toda la comunicación, toda la carta que ha llegado, la compañía Mayonnaise ha continuado a trabajar para que la compañía Mayonnaise esté totalmente legal con la Saint-Vincent de las Granadinas. So even if we receive those letters, Mayonnaise continue to work and to be in total legislation with the Saint-Vincent Grenadines jurisdiction. Wir sind hier, weil wir ja genau wegen von St. Vincent und den Grenadinen den Letter bekommen haben und werden weiterhin legal arbeiten, weil wir ja offiziell mit denen zusammenarbeiten. Ça, je veux que vous compreniez que c'est la deuxième raison pour laquelle n'importe quelle autre compagnie de scam aurait profité de ça pour de nouveau arrêter n'importe quelle compagnie et faire un exit scam. Es por eso que quiero que vosotros entendéis que cualquier compañía puede profitar de este tipo de lo que ha pasado para hacer un exit scam. Y Mayonnaise no lo ha hecho. No. Donc ça, pour nous, ça... So this is the second time that any company would have taken to make an exit scam and of course stop Mayonnaise. But we did not do that. Das wäre die zweite Möglichkeit gewesen, um einfach zu sagen, Schluss, einen Exit Scam zu machen. Aber wir haben es nicht getan und werden weiterhin hier sein. Nous avons de nouveau entrepris tout ce qui a été en notre pouvoir pour continuer à travailler et de nouveau pour travailler afin de nous mettre dans une légalité totale dans n'importe quel territoire au monde où nous travaillons. Por eso que hemos continuado a trabajar y para hacer que la compañía Mayonnaise está legal en cualquier país del mundo. That's why we continued working to make Mayonnaise legal in every country where we are operating at. Und darum sind wir hier und arbeiten weiter, um Mayonnaise in allen Ländern, wo wir sind oder wo wir sein werden, legal zu machen. À ce moment-là, nous avons contacté encore une fois sérieusement le service juridique. Et j'ai contacté aussi l'autorité financière à Saint-Vincent-les-Grenadines. Parce que moi, pour moi personnellement, je dépends de Saint-Vincent-les-Grenadines et pas de l'AMF en France. À ce moment, j'ai contacté le service financier de Saint-Vincent-les-Grenadines. Pourquoi? Parce que la compagnie n'est pas enregistrée en France, mais ici, à Saint-Vincent-les-Grenadines. So what I did is that with my jurisdictional department, we contacted the financial department directly in Saint Vincent and the Grenades because this is where we belong to and not the AMF from France. So ich habe umgehend das Finanzdepartement auf Saint Vincent and the Grenadines kontaktiert, weil wir ja dort registriert sind und mit denen arbeiten und deren Regulatorien unterliegen und nicht den französischen Regulatorien. J'ai eu une réponse par mail, mail qui a été partagé et mail qui sera partagé avec vous aussi, un mail où on m'expliquait quelle était la meilleure solution pour pouvoir contrer cette décision de blacklist.
Me ha llegado un correo por email y este correo se puede compartir con vosotros como siempre. Y este correo dice que tiene las soluciones para ver cómo se puede continuar sin tener Mainnet en la lista negra a Francia. So we did receive an email as an answer. And in this email that we can share with you guys if you need, there is the solution so that we can get out of this black list. So, und wir haben dann umgehend ein E-Mail erhalten von St. Vincent und das werde ich euch zeigen oder das wird euch zugesandt und das besagt, dass wir umgehend aus der Blackliste von Frankreich gestrichen werden. Vu que nous sommes transparents et que nous avons déclaré publiquement exactement tous les brokers avec lesquels nous travaillons, forcément les autorités financières ont pu avoir directement accès aux brokers avec lesquels nous travaillons. Et les ont informés aussi du fait que Mainnet est blacklisté en France par l'AMF. Estamos una compañía transparente y el servicio financiero de San Vicente Las Granadinas. No, l'AMF en France. Oui. Ah, perdón. La MF a Francia, que es la autoridad del mercado financiero, ha comunicado con los brokers, porque trabajamos con brokers regulados a nivel internacional, y la MF ha comunicado a los brokers que Mainnet está en una lista negra a Francia. And as we are working as a very total transparent form, of course, we have announced our different brokers. And the AMF from France contacted all the brokers saying that Mainnet was on their blacklist. Und weil wir ja so transparent sind und allen die verschiedenen Brokers gezeigt haben oder die Broker zeigen, hat umgehend die Finanzmarktaufsicht von Frankreich die Broker kontaktiert und gesagt, dass Mainnet auf deren Blackliste steht. Il y a deux semaines de ça. Allez, deux à trois semaines de ça environ, vous avez pu le voir d'ailleurs sur les MyFXbook, deux de ces brokers, RoboForex et VT Market, ont bloqué les fonds en attendant d'avoir les documents, on va dire, officiels pour pouvoir continuer à travailler légalement aussi en France. C'est más o menos tres semanas. Dos de los cinco brokers con quien trabajamos, VT Market y RoboForex, ¿está allí, Ciprián? Yes. RoboForex y VT Market. Ok, VT Market y RoboForex han parado el dinero hasta que los documentos oficiales lleguen de la MF. So I don't know if you guys have seen it, but two or three weeks ago, RoboForex and VT Markets blocked our funds up to that we can show proof that everything is clear with the documentation before releasing the funds. Okay, und ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber bei MyFXbook, VT Markets und RoboForex, also die zwei letzten Links, haben unsere Funds gesperrt, bis wir beweisen können, dass alles regulatorisch richtig ist und dass alles mit rechten Dingen zugeht. Là, je veux que vous compreniez que là, ça a été la troisième raison et le troisième motif pour laquelle n'importe quelle autre compagnie aurait arrêté directement le business et profité de ça pour faire un exit scam. Mais Mainnet, et je ne l'ai pas fait. Eso, muy importante, es la tercera razón de que los brokers han parado el dinero. Eso puede ser una razón por cualquier compañía de hacer un exit scam, una estafa, y eso nunca lo he hecho. Estoy todavía aquí con vosotros. And I want to be very clear with you guys that this would have been the third situation or reasons for any company to exit scam with this particular situation with funds blocked in the broker accounts.
Und ich möchte hier ganz klar sein, das wäre die dritte Möglichkeit für viele Firmen, um einfach einen Exit-Scam zu machen, weil das Geld einfach in den Brokern blockiert wurde. Et je vais vous expliquer pourquoi je ne l'ai pas fait. Tout simplement parce que le trading continue. Nous faisons du réel trading. Nous avons un réel produit. Et 15% des fonds restent encore disponibles sur Kawada. Ou le trading, vous pouvez le voir sur MyFixBook. Le trading continue. Voy a explicar por qué no lo he hecho, porque no tengo la intención de hacer una estafa. Solamente para explicar que la compañía online tiene un servicio real, un producto real. El trading está real y eso se puede ver en el MyFXBook con Kawada, porque siempre 15% del dinero se queda en este MyFXBook. And this is the reason why I did not choose this option to exit scam. Because we have a real product and we are still trading. If you check the MyFix book with the Kawada broker, you can see that we still have trading there and we have 15% of our friends that are still trading in this broker. Und deshalb habe ich mich nicht für einen Exit Scam entschieden, weil wir ein reales Trading haben, weil wir transparent sind und das Produkt oder die Firma real ist. Und wenn ihr seht, bei Kawada läuft das Trading und ich habe nicht gestoppt, weil mehr als 15% der Funds in Kawada liegen. J'ai dû trouver une solution, parce que vu que nous ne disposions plus de la totalité des fonds, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai adapté la stratégie pour prendre une stratégie un peu plus risquée, et ça a été visible aussi sur le MyFixBook, il y a plus ou moins une semaine, 10 jours de ça. Vous avez vu que nous avons fait plus de 20% de gains, parce que la stratégie a été changée pour essayer d'avoir un rendement meilleur afin de pouvoir payer le réseau avec simplement 15% des fonds disponibles. Il y a que encontrar una solución diferente porque había dinero bloqueado. Entonces he cambiado mi estrategia un poco con más riesgo. Es por eso que podéis ver que la semana pasada el trading hemos hecho un 20%, claro, para recuperar un poco más de dinero, pero con más riesgo. So what we did is that we took another strategy because we just had those 15% funds to be traded, and we took a more risky strategy, and that's why you saw last week that we reached up to 20% so that we have enough money to pay the network with those 15% available. Und deshalb, wenn ihr in MyFXBook schaut, habt ihr vergangene Woche oder die Woche, was jetzt war, einen höheren Drawdown gesehen, weil wir eine zweite Strategie dazu geschaltet haben. Umstände sind, weil wir nur 15% der Funds momentan zum Trading verfügbar haben, weil ja die anderen auf den gesperrten Konten liegen, um die Firma weiter zu laufen zu lassen und alle Leute zu bezahlen. Deshalb. Donc de nouveau, dans un souci de vous montrer que nous voulons continuer et que nous allons continuer avec MyNet, j'ai tiré la corde au bout jusqu'au dernier moment en attendant d'essayer de résoudre les problèmes avec l'AMF et de pouvoir débloquer les autres fonds. C'est pour cette raison que tengo la idea de continuar con vosotros con MyNet siempre. Es por eso que he esperado el máximo de tiempo para arreglar el problema con la MF a Francia. So that's why we did this strategy so that we can continue MyNet, because we want to continue MyNet, of course, and to earn a lot of time so that we can do all this paperwork with the AMF regulations. So, und deshalb haben wir ja diese Strategien gewählt, um MyNet gleich weiterlaufen zu lassen, während der Zeit, wo wir die ganzen Papierarbeiten oder die ganzen Briefe bearbeiten für die Regulatorbehörde in Frankreich. Mais vu que le trading marche bien, mais le trading c'est quelque chose qui on gagne et on perd. Au moment où nous avions 3 brokers et 3 fonds différents, nous avions toujours une poche pleine, une poche vide. Quand on perdait, on gagnait, on pouvait toujours mélanger. Maintenant, vu que la totalité des fonds a été diminuée,
forcément, nous ne pouvons plus jongler avec l'argent de telle façon à ce que ce soit soutenable sur du long terme. Hasta hoy, antes del problema, podíamos jugar con varios brokers, ganar dinero, perder dinero, etcétera, etcétera. Pero ahora que tenemos este problema, no se puede jugar con tanto dinero. Entonces, hay solo como un importe que llega de un broker de momento. Es por eso que es un poco difícil por la compañía. So up to now, we used to, let's say, play between three brokers because in trading, you know that we can either earn or lose money. And so once you lose on one broker, you could have an help with another broker. So now, of course, the challenge is more high because we just now trading with just one broker. So we have ja drei Broker, zwischen die wir switchen. Und das ist auch gut so, weil wenn irgendwas geschieht mit den anderen oder mit einem anderen, da haben wir immer noch einen, um weiterzutreten. Und deshalb haben wir halt momentan ein kleineres Kapital und ein bisschen mehr Risiko, um die Company weiter wie immer laufen zu lassen. Comme nous arrivions presque au bout du rouleau, j'ai contacté de nouveau le service juridique pour voir combien de temps ça risque de durer encore. He visto que llegábamos casi al fin del problema, es por eso que he contactado el servicio jurídico de la AMF. And because we have reached this kind of limit, we contacted again the jurisdictional department of AMF. Und weil wir dieses Limit erreicht haben, haben wir erneut die Finanzbehörde von Frankreich kontaktiert. Je vais vous faire parvenir un email où je vais vous montrer la solution qu'ils m'ont donnée. Et au fait, la solution qu'ils m'ont donnée, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. La solution qu'ils m'ont donnée afin de pouvoir débloquer la situation, c'est de leur montrer que nous ne sommes pas une société d'investissement, mais que nous sommes une société qui vendons un service. Donc, c'est que nous sommes une société qui utilisons un robot y fait du trading automatique. Ha llegado un correo y este correo donde me pide dónde se puede encontrar la solución, ¿vale? Y eso lo puedo compartir con vosotros. Es demostrar que la compañía Mynet no es una empresa financiera. Es una empresa que vende un servicio con un robot automático. So in the email that I received from AMF, the solution that we have is that we need to show proof that Mynet is not an investment company, but that Mynet sells a software that allows you to trade automatically by purchasing a license, a service. So, ich habe ein E-Mail oder einen Brief erhalten von der AMF und die wollten eben sehen, dass wir ein Copy-Trading absolvieren, beziehungsweise dass Leute das Trading kopieren können und dass wir eine License kaufen können, um diesen Service zu nutzen. Nous avons directement entrepris les démarches à Saint-Vincent-les-Grenadines. J'ai signé les documents et j'ai envoyé les documents. Je vais voir si je les ai ici sur les bureaux. Donc, nous avons déjà fait absolument toutes les démarches pour changer dans les statuts de la société, que nous ne sommes pas une société financière, mais que nous sommes une société qui vend un produit, et ce produit, c'est un robot de trading. Exactement de la même façon dont nous avons commencé Mynet. Et ces demandes ont été acceptées, et ils ont décidé de changer dans les statuts de la société, que ça n'apparaisse plus comme une société de trading forex qui a besoin d'une licence Forex, mais que nous sommes une société de vente de produits-services. Hemos empezado a comunicar con el servicio de San Vicente las Granadinas. He firmado documentos, todo ha llegado al servicio a las Granadinas y me ha contestado una respuesta positiva para cambiar
el estado de la compañía para decir que no es una compañía, una empresa financiera, pero una empresa que vende un servicio de licencia y no como antes, como una empresa de trading forex, es diferente. So what we did is that we already make all the documentation to modify our company status so that we can remove all those trading forex investment company, but a company that sells a product, which is in this case Mainnet, a service to access a robot. Was wir schon gemacht haben, ist, dass alles verschwindet, was Investment oder sowas beinhaltet in der Webseite oder mit Mainnet, und dass es einfach eine Lizenz ist, wo wir am Robot Trading teilnehmen können. Et maintenant, des documents, ça reste des documents. Eux, ils ne veulent pas des documents. Eux, ils veulent des preuves concrètes. Documentos son solo documentos. Y eso no es suficiente para ellos. Ellos quieren pruebas reales. So documents are just documents. But what they want is they want to get proofs of exactly what we're doing. So, Dokumente sind Dokumente, das sind Papier, ist einfach Papier. Aber was die wollen genau sehen, was wir machen. Donc, après avoir tiré sur la corde jusqu'au dernier moment, après avoir continué le business, alors que n'importe quel autre CEO a eu trois bonnes raisons d'arrêter le business et de tout stopper et être protégé, moi, je ne l'ai pas fait. Et là, je suis là devant vous pour vous dire que Mainnet continue et continuera encore. Después de todo eso, de todo lo que ha pasado, cualquier compañía tenía la opción de hacer una estafa. Yo estoy delante de vosotros ahora mismo porque tengo la idea de continuar Mainnet y de continuar a largo tiempo. So even with all the challenges I've been facing, all the limits I have reached, and all those three reasons that any other CEO might have exit scam, I'm still here in front of you guys to tell you that we'll still be here in Mainnet for a long time with you guys. So mit allen Challenges, die ich durchlebe, mit allen drei Gründen, wo normal jede Firma zusperren könnte. Ich bin hier direkt mit euch hier heute im Call und sage euch, dass wir eine gute, lange, lange Zukunft mit Mainnet haben werden. Et je vais vous expliquer exactement ce qu'on doit faire, ce que j'ai été conseillé de faire et la seule solution à faire pour qu'on puisse de nouveau débloquer les fonds et continuer à travailler. Je vais vous la dire maintenant exactement ce qu'il faut faire. Ahora voy a explicar con vosotros, voy a compartir con vosotros cómo tenemos que hacer a partir de hoy los consejos que me han dado para continuar a trabajar y para desbloquear esta situación. So now I'm going to share with you guys the exact solution that we all have to take into account so that we can move on from this situation. Und jetzt bin ich hier und werde euch die Lösung oder die Situation zeigen, wie wir weitermachen und was die Lösung für das Problem oder für die Probleme sein wird. Afin que nous puissions faire la preuve d'un réel trading, d'un réel robot de trading et d'une réelle source de revenus, nous sommes obligés maintenant à connecter le réseau entier au robot. A partir de ahora, para demostrar que hay un trading real, que hay un robot real, tenemos que conectar todos los inversores de Mainnet directamente en el bot. So now to show proof that we are a trading company, what we need to do is that we need to connect the robot to all the clients' broker account. Und was wir jetzt tun müssen, um die Transparenz bzw. die Realität des Businesses zu zeigen. Ich werde alle Klienten oder alle Kunden bzw. Investoren von Mainnet
direkt an den Bot anhängen. Je veux vous partager avec vous aussi que les trois derniers événements que nous avons faits à Bogota, Colombie, Brésil, tout le réseau sud-américain nous a demandé que la meilleure solution pour qu'eux puissent travailler légalement dans n'importe quel pays, c'est que le robot soit directement connecté sur le compte des clients, sur un broker, mais directement sur le compte des clients. Los tres últimos eventos que hemos hecho a Bogotá, Colombia, Perú, hemos compartido con la gente de ahí que me han pedido de trabajar de manera legal para que ellos puedan trabajar en sus países legal, de manera legal, a conectar directamente cualquier inversor es directamente a su broker propio, propio broker, en directo. And so from the last three events that we had in South America, in Colombia, in Brazil, we found out that many members ask us that to be in total legality with their country, we had to connect the robot to the client's broker. Und wir waren ja in den letzten Wochen in Bogota, Kolumbien, Brasilien und viele Klienten haben wir, oder dass wir hier operieren können, wollten die direkte Connection zum Robot haben. Et pas seulement pour les pays sud-américains ou pour les pays africains ou pour l'Égypte, où c'est le même problème. Afin de pouvoir débloquer la situation avec l'AMF en France, c'est la seule solution que nous avons maintenant, c'est de donner accès au robot à tout le réseau Mainnet. Eso no es un problema solo para gente de Sudamérica o África o Egipto. Después del problema que ha pasado con la AMF a Francia, tenemos la única solución de conectar cualquier inversor de Mainnet directamente con el robot. So this is not just in South America or Egypt. This is actually the solution that we need to adopt so that we can move on from the AMF lockdown. And we have to link the bot to the client's broker. Das ist nicht nur die Situation in Südamerika oder in Ägypten. Das müssen wir überall machen, um aus der Blackliste oder aus dem Block von der Finanzbehörde von Frankreich herauszukommen. Une fois que nous allons pouvoir démontrer que le robot fonctionne et que le trading est réel, que le robot fait du trading réel directement sur les brokers choisis par nos membres Mainnet, directement sur leur compte, directement sur leur compte où les dépôts se feront directement chez le broker, eh bien, ils vont voir que ce que nous avons dit, c'est la réalité et que ce que nous vendons, c'est un produit de trading, c'est un produit qui n'est pas un produit financier comme nous faisons jusqu'à maintenant, mais c'est une vente de logiciel. Parce qu'en fait, c'est ça que nous faisons. Nous vendons un logiciel et nous allons connecter le logiciel sur la totalité des membres de Mainnet. A partir del momento que la AMF va a ver que las pruebas que el trading está real, que el robot está real, a partir del momento que los inversores de Mainnet se pueden conectar directamente en el bot de su cuenta personal, en su broker personal, se va a desbloquear la situación. So to unlock the situation is pretty simple. We need to show proof that we have a real trading, we have a real product, and that we are selling a service, which is a license to access the robot. So we don't have many solutions, we just have this one. We need to connect the bot to all the client's broker. So einfach gesagt ist es so, wir müssen einfach bestätigen oder wir müssen einfach zeigen, dass wir real sind, dass wir ein reales Produkt haben, dass wir eine Lizenz haben, um an dem Trading teilzunehmen. Und die einzige Möglichkeit ist eben, den Bot direkt an den Trading-Account anzuschließen von jedem. Donc, comment ça va se passer? Pour cette période de transition, en attendant que tout se règle, nous allons sortir deux produits, deux licences. Une licence à $500
valable pour un an pour le robot connecté directement sur vos comptes sur le réseau MyNet, ou une licence à 2000 euros où vous allez avoir accès à vie au robot sur votre propre compte. Hasta que la situación se desbloquea, vamos a poner dos opciones de momento. Dos licencias, una de 500 que va a generar dinero durante un año en la cuenta personal del inversor, y otra opción es una licencia de $2,000, pero es una licencia hasta vida. So that we can wait for the regulations to be cleared. What we are doing now, we are going to sell two new products. It will be one license of $500 that will have a life of 1 year, and another product would be a $2,000 license that you can have a lifetime access to it. Und was wir in der Zwischenzeit tun, wir haben zwei neue Produkte, das heißt ein Produkt $500 ist ein Jahr Zugang zum Trading, oder $2,000, was bedeutet Lifetime Zugang? Le back office reste ouvert, il va être mis au point cette semaine pour que justement nous puissions continuer à travailler, car je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vivent grâce à MyNet. Donc nous allons déjà commencer cette semaine à mettre tout en place pour que ça soit directement accessible dès la semaine prochaine. Et il faut savoir aussi que les commissions réseau continueront à être payées, mais d'une autre façon, et nous allons réadapter notre PDF pour que ce soit facilement explicable. Donc, tout reste en place, tous les Zooms hebdomadaires restent en place, l'événement reste en place, les bureaux sont ouverts, la visite des bureaux peut se faire exactement comme maintenant. La seule chose qui va changer pendant cette période de transition, c'est comment est-ce que nous allons rémunérer les gens avec les deux nouveaux produits qui sont un produit pour une durée de un an, un produit pour une licence lifetime pour l'accès du robot directement sur vos comptes à vous. Hasta que todo se cambia, es una temporada de transición. El back office se queda tal cual. Esta semana vamos a actualizar el back office, ¿vale? Pero todo se queda, el evento a Bucarest se queda, se puede visitar el edificio en Bucarest en julio, eso no va a cambiar nada, ¿vale? Vamos a poner en el back office las dos opciones, la licencia de 500 por un año o la licencia de $2,000 hasta vida, pero con la propia cuenta del inversor. Solo tenemos que encontrar una solución, solo por esta temporada de transición, la manera de cómo vamos a pagar por lo réseau, hein, le marketing, oui. C'est ça, Cyprien. Ok, solo vamos a ver cómo podemos encontrar una solución para pagar las comisiones que vienen de la red. So during this transition period, the back office will stay open because we know that many of you guys are leaving from Mainnet. We are going to implement those two licenses, one $500 for 1 year and the other one $2,000 for a lifetime period. And the only thing that we need to check now is how we are going to pay the network with those two new licenses. And of course, if you need to visit the offices, you still can. The event is still in July. So everything is the same. It's just a transition period that we are just going to pass, and everything will be perfect after that. So, wichtig, Paket. Es wird sich nichts ändern. Das Event im Juli ist ganz normal, wird stattfinden, die Qualifikation. Ihr könnt immer noch das Office besuchen, alles ist okay. Nur zwischen der Transition-Periode, wo wir das implementieren, die Lizenz mit $500 und die Lizenz mit $2,000, wird das Backoffice alles gleich bleiben, weil wir wissen, dass alle oder viele hier
von Mainnet leben und das Backoffice bzw. das Geld brauchen, wird alles gleich bleiben und es wird herausgefunden, wie das dann mit den neuen additional Produkten mit den Kommissionen stattfindet. Aber es wird alles gleich bleiben. Une autre solution aussi que on va faire aussi pour aider le réseau, Mainnet va arrêter tous les dépôts directement dans les back-office et les seuls qui auront la possibilité de vendre ces deux produits, ce sera vous. Et autre solution que vamos a poner en el back-office es que las dos opciones, la licencia de 500 durante un año y la licencia de $2,000 hasta vida, no la, todos los inversores tienen la oportunidad de comprar esta licencia. Esta licencia se puede comprar solo por los inversores que están aquí ahora mismo, que están dentro de la compañía. So what is going to happen now is that Mainnet will not allow any more deposits directly to the company's account, but you guys, as a member of Mainnet, you can sell those two new products, the $500 and the $2,000 license. So was jetzt ist, Mainnet wird nicht mehr direkt Deposits in den Account zulassen oder ins Backoffice, aber was wir in der Zwischenzeit machen können, ist diese zwei Lizenzen von $500 and $2,000 direkt zu vermarkten. Donc jusqu'au déblocement total des fonds et jusqu'au déblocement total de la situation, Mainnet, je ne vais plus encaisser aucun sou. Tout l'argent qui va être encaissé par vous. Hasta que se desbloquea la situación, de momento la compañía Mainnet no puede ingresar dinero. El dinero que se va a ingresar es solo para vosotros, a través de vosotros. So what we are going to do is that now all the Mainnet funds cannot be collected anymore. So the funds will be collecting through you guys directly. So was momentan geschieht, die Mainnet kann die Funds nicht mehr von den Leuten einsammeln, sondern es wird direkt über uns passieren. Direkt. Je sais que c'est beaucoup d'informations d'un coup. Nous avons été aussi pris par dépourvu, donc nous n'avons pas encore eu le temps de vraiment tout préparer ça. Parce que ce n'était pas, on ne pensait pas que ça allait durer autant de temps. Mais comme je vous ai dit, tout sera préparé. Dimanche, nous allons faire un Zoom, comme tous les dimanches, où nous allons préparer de nouveau un nouveau PDF qui sera de nouveau fait dans toutes les langues. Nous travaillons déjà dessus et ce sera vraiment expliqué pour que vous puissiez exactement comprendre comment est-ce que nous allons travailler. Comment est-ce que vous allez pouvoir encaisser? Comment est-ce que Mainnet va pouvoir traverser cette période provisoire, j'espère, et de plus courte durée possible, j'espère. Mais comme je vous ai dit, Mainnet ne s'arrête pas. Mainnet continue. Tout reste comme a été discuté. L'événement reste en place et nous allons de l'avant. Vamos a hacer cada domingo un Zoom, ¿vale? Vamos a salir un nuevo PDF para explicar el mejor que podemos la nueva manera de trabajar con Mainnet, ¿vale? Un poco diferente de ahora, pero lo vamos a continuar porque Mainnet no se para, es solo una manera diferente de trabajar durante esta temporada que espero que va a ser de corta duración, ¿vale? Pero Mainnet no se para, es solo una manera diferente de trabajar y el evento en julio en Bucarest se queda, todo se queda igual. So we are just going to work a little bit differently as up to now. Tomorrow we'll have on Sundays, we have those conference call as every Sunday. Soon there will be a new PDF that will show you exactly how we present Mainnet and you will understand more because I know that it is a lot of information for you guys today. And Mainnet is not stopping. It's just a transition period that I wish it can be as small as possible.
And during that time, we will work this way until we unlock this situation. So, wir werden ganz normal weiterarbeiten. Morgen wird der Konferenzcall sein, wie wir jeden Sonntag haben, die Leaders. Es wird eine PDF rauskommen, wo jeder genau sieht, wie und was läuft, wie wir meine zu präsentieren haben, weil es sind jetzt sehr, sehr viele Informationen, dass es jeder versteht, wird es alles ganz, ganz detailliert erklärt werden. Es wird ganz normal weitergehen, nur eine kleine Änderung wird vorgenommen und die Transition-Periode wird so kurz wie möglich gehalten. Avec les leaders Crown Diamond, nous avons déjà travaillé sur le nouveau PDF et je vais travailler avec eux pour qu'on le termine pour dimanche. Dimanche soir, il sera présenté lors du Zoom et mercredi, on refait de nouveau un Zoom tous ensemble afin de pouvoir répondre à toutes les questions par rapport au PDF qui sera présenté dimanche. Donc pour dimanche, pour demain soir, nous préparerons le PDF qui vous sera présenté. La nouvelle façon de travailler, les commissions réseau, comment tout sera payé et comment ça va avancer pendant cette période de transition. Et mercredi, donc trois jours après, on refait de nouveau un Zoom public où ce sera un Zoom dédié pour les questions-réponses par rapport au nouveau plan de marketing. Estamos trabajando muy duro con los líderes Crown Diamond y mañana por la noche. Con la reunión de mañana por la noche vamos a salir el PDF con la nueva manera de trabajar, nueva manera de ganar dinero con la red, etcétera, etcétera. ¿Vale? Solo durante esta temporada hasta que se desbloquea el problema, ¿ok? Y el próximo miércoles vamos a hacer de nuevo un Zoom todos juntos con Ciprián para contestar a todas las preguntas y dudas que tenéis. So tomorrow we will be sharing with you guys the PDF showing how to present Mainnet and how to work with this new way of doing Mainnet. We have been working very hard with the leaders, Crown Diamonds. And tomorrow night you will have this PDF so that you can see exactly. On Wednesday evening, we'll also have a new conference call so that we can also and continue to speak about the new way of promoting mainnets during this transition period. So morgen Abend werden alle Crown Diamond die PDF bekommen, wo ich in der letzten Woche oder in den letzten Wochen sehr hart daran gearbeitet habe, wie man Mainnet präsentiert. Die werden dann an euch rausgehen. Es wird auch morgen schon ein Call stattfinden und am Mittwoch wird ein weiterer Call stattfinden, wie wir dann in der Transition Period Mainnet promoten können oder wie wir mit Mainnet mit der neuen PDF bzw. mit den neuen Produkten weiterarbeiten. Comme je l'ai dit en début de Zoom, je sais que certains d'entre vous ne voient pas clair maintenant, mais croyez-moi et vous allez le comprendre au plus tard mercredi que cette façon de travailler et en connectant le robot directement sur le compte des membres, en laissant la possibilité aux membres d'être les seuls maîtres à bord de leurs finances, d'avoir l'argent sur leur propre bloqueur, je ne sais pas si vous vous rendez compte que c'est un business mondial encore meilleur que tout ce que vous avez connu avec Mainnet jusqu'à aujourd'hui. Et sont muchas informaciones. ¿Vale? Que sé que hay gente que no entiende todo, que no está claro para todos. Pero lo que tenéis que entender, y eso es muy, muy importante, es que a partir de miércoles próximo, cada inversor de Mainnet puede conectarse en directo con el bot, con el robot. Y eso va a ser el business mundial mucho mejor que el Mainnet que hemos conocido hasta hoy. As I told you in the beginning of this call, some people will take it positively, others negatively. But if you really think about what we're doing right now, is that we are going to give you the possibility to connect the bot to your broker account so that you can have freedom on your funds directly on your broker. And this is a world-class business that is going to happen right now, much better than we had up to now with Mainnet.
Was ich euch am Anfang des Calls gesagt habe, einige werden oder viele werden es positiv finden, viele werden es negativ finden, wird immer zwei Meinungen geben, aber es ist, was wir jetzt machen mit der direkten Verbindung zum Robot, mit eurem Broker-Account, die Freiheit zu haben, mit den Funds, was ihr im Broker-Account habt, zu machen, was ihr wollt, das ist eine Weltklasse oder eine weltweite Möglichkeit und wir werden sehr, sehr stark wachsen. Je sais que vous avez eu une semaine très difficile. Je sais que pour les leaders, ça n'a pas été facile aussi de répondre à nos membres, alors que même vous, vous ne saviez pas quoi répondre. J'espère que ce Zoom a apporté un petit peu de clarté. Vous avez eu une semaine stressante. Moi, personnellement, Cyprien, je vous demande encore 3 jours afin que nous puissions préparer et vous présenter tout, parce que c'est beaucoup plus simple de comprendre un PDF que de simples paroles. Dimanche, on va présenter le PDF. Mercredi, préparez toutes vos questions pour mercredi. Et d'ici 3 jours, on se revoit à un Zoom public traduit de nouveau dans toutes les langues où vous allez pouvoir venir avec toutes vos questions si jamais il y a des choses que vous n'avez pas compris par rapport à la nouvelle façon de travailler. Mais je vous promets qu'une fois que vous allez vous rendre compte de ce qu'on est en train d'apporter, le business model est beaucoup mieux que ce que nous avons eu jusqu'à maintenant. Mais je sais que maintenant, c'est peut-être encore difficile à comprendre. Esta semana era una semana muy difícil para vosotros, una semana muy difícil para los líderes, para explicar a sus equipos lo que pasa, porque había mucho estrés, ¿vale? Pero mañana por la noche salimos el PDF con la nueva manera de trabajar con Mynet. Y el próximo miércoles hacemos un Zoom público con vosotros, con traducción también en inglés, español y más traducciones. Y os juro que el business model que va a salir después miércoles va a ser mucho mejor y con mucha seguridad a partir del miércoles. Entonces, os pido por favor 3 días más para que vosotros podáis entender más lo que va a pasar la semana próxima. So guys, I just ask you 3 more days that we get this PDF and explain you everything, because I can speak here for a long time, but it will be better to show you the PDF. I know that during this week has been a bit stressful from you guys leaders, because you even didn't know about this information. But I can assure you that this new business model that is coming now, the new era of Mynet, is going to be very much powerful than that we did before. So please just come back on Wednesday. Everything will be translated again so that you can bring your questions in and we'll answer all your questions on how to work with this new strategy, the new way of working with Mynet. So, es war jetzt sehr, sehr stressig für alle. Es ist sehr, sehr viel Input, sehr viele Informationen. Ich bitte euch um weitere 3 Tage, um die PDF und alles vorzubereiten. Dann wird es wieder den Zoom geben, um euch genau zu zeigen, wie es weitergeht, die neue Ära of Mynet. Und die wird viel, viel gigantischer, wie wir sie bis jetzt gehabt haben, was jetzt schon mindblowing war, sozusagen. Also am Mittwoch wird alles wieder übersetzt in 3 Sprachen oder 4, keine Ahnung, werden wir sehen. Und dann werden auch Fragen und Antworten beantwortet werden. Donc la seule chose que je vous demande, je sais que maintenant il y a beaucoup de questions, mais comme je vous dis, attendez mercredi, attendez dimanche soir d'avoir le PDF et attendez pour toute question, attendez qu'on termine le Zoom de mercredi, parce que là-bas, 99% de vos questions seront répondues. Ahora sé que vosotros tenéis muchas preguntas, muchas dudas, ¿vale? Entonces, tenéis que esperar mañana por la noche que sale el PDF que voy a compartir con vosotros y el miércoles próximo, entonces en 3 días, tenéis que preparar todas las preguntas, todas las dudas que tenéis. Y vais a ver que en el próximo Zoom, miércoles, voy a compartir casi 99% de las preguntas que tenéis. I know that you guys now have thousands of questions in mind,
I just ask you to kindly wait for more 3 days, but tomorrow, Sunday, we'll already be presenting you the PDF. And on Wednesday, we'll have another call to answer all your questions. I know that during those new calls that we are going to make, 99.9% of your questions will be answered directly from those Zoom meetings. Ich weiß, dass ihr jetzt alle tausende von Fragen habt, aber morgen wird euch schon die neue Präsentation gezeigt und am Mittwoch wird euch dann nochmal die neue Präsentation gezeigt und alle eure Fragen werden wahrscheinlich zu 99,9% bis Mittwoch schon beantwortet sein, wenn ihr die neue PDF seht. Und ansonsten werden wir sie am Mittwoch, das sind nur noch 3 Tage oder 4 Tage, werden wir sie dann beantworten und ihr werdet alle happy sein. Comme toute transition, c'est une période qui n'est pas facile, surtout quand on n'a pas les réponses à toutes les questions. Mais je veux que vous sachiez que MyNet ne s'arrête pas. MyNet est un business de longue durée. Mais premièrement, le plus important pour moi, c'est que MyNet soit une affaire légale. Je n'ai pas fait ce business pour avoir des problèmes juridiques dans aucun pays. Je n'ai pas fait ce business pour que moi-même ou des leaders de MyNet dans n'importe quel pays ait des problèmes judiciaires ou risque d'aller en prison à cause de MyNet. Donc MyNet, premièrement, doit rester une affaire légale au niveau mondial. Si jamais on doit faire des modifications qui peut-être vont être un peu difficiles à comprendre au début, la chose la plus primordiale pour moi, c'est que MyNet soit légal partout et sur du long terme. Et s'il faut faire des sacrifices, je les ferai, mais on doit les faire ensemble. Claro que es una temporada un poco difícil. Claro que eso lo puedo entender, ¿vale? Pero si tenemos que hacer modificaciones, porque lo que quiero es que no he hecho esta empresa para ser una empresa, una estafa. Yo quiero una empresa legal a nivel mundial. Y tampoco yo no quiero líderes en cualquier país del mundo que puede tener problema con el Estado e ir en cárcel. Entonces, yo quiero una empresa que va a durar a largo tiempo. Y por eso, claro que puedo hacer modificaciones. Puede ser difícil de entender, pero lo vamos a hacer juntos. Para que MyNet va a durar a largo tiempo. I can understand, guys, that this transition is not very easy to adopt. But I want really to assure you that MyNet is going to live for a long time. And for that, we need to make sacrifice. I need to make sacrifices, and you also. And if we need to make modifications to be 100% legal in any country, MyNet will do it, okay? Because I don't want any leader to have any problems or even sent to jail because the company was not legally represented in their country. So if we need to modify things, we'll be modifying, and I'm sure that you will like it after this transition period. So zwischen der Transition Periode ist es, ich muss Einbußen verkraften, ihr müsst Einbußen verkraften, aber auf weite Sicht ist es sehr, sehr gut, weil MyNet soll überall 100% legal sein, um nicht, dass irgendein Leader noch Probleme kommt oder vielleicht sogar im Gefängnis landet, weil MyNet nicht legal war. Und so diese Transition dient uns allen, um weltweit zu sein und eine lange, lange Zukunft mit MyNet zu haben. Und ihr werdet es alle lieben, wenn ihr seht, wie wir in Zukunft arbeiten werden. Voilà. Nous avons passé 1h30 ensemble. Je vous dis à dimanche soir, je serai présent sur le Zoom dimanche soir avec l'écran Diamond pour vous expliquer exactement la nouvelle façon. Je serai présent mercredi. En attendant, s'il vous plaît, demandez à vos top leaders, demandez à vos Crown Diamond de partager avec vous les documents dont j'ai parlé et vous allez voir que tout ce qu'on raconte, c'est la vérité, ce n'est pas du pipeau. On ne vient pas avec des excuses, on ne vient pas avec des inventions. On parle sur du concret. On parle sur du concret. Et dans le but de travailler sur du long terme et légalement, eh bien, on est obligé de passer par cette période la plus courte possible, je l'espère.
Je vous dis à dimanche et je vous dis à mercredi. Esta mañana estaré en el Zoom para explicar el PDF. El próximo miércoles también estaré en el Zoom público con toda la gente para contestar a vuestras preguntas. De momento, os pregunto, por favor, os pido un poco de paciencia. Si queréis el documento oficial, lo tenéis que pedir a vuestros líderes Chrome Diamond para que ustedes podéis ver que no es falso, es verdad, es un documento oficial de lo que ha pasado del problema, ¿vale? Para que puede durar a largo tiempo Mainnet, entonces podéis pedir este documento y tenéis que venir mañana a la noche en el Zoom del PDF y miércoles para preguntar las preguntas que tenéis. Entonces, os deseo una buena noche y nos vemos mañana a la noche. So tomorrow night, I'll be in the Zoom with you guys again. On Wednesday, I will be here also. And I just want to share with you that everything will be done for Mainnet's long life. If you want those documents, you can ask your upline, your Chrome Diamond will share the documents with you guys so that you can see that we are not finding excuses, that this is not fake, this is the actual situation. So after we pass this transition period, everything will be fine. But for up to now, we need to work with this new way of doing it, okay? So I want to thank you, all of you guys, for being here tonight and see you tomorrow and on Wednesday. So ich bin morgen wieder mit euch im Call. Ich bin am Mittwoch wieder im Call. Wir werden es übersetzen. Und wenn ihr die Dokumente braucht oder benötigt von der Upline, um es zu sehen, dass es wirklich ist, dass nicht irgendein Dahergerede ist oder ein Fake, bitte kontaktiert eure Upline. Die werden euch alles zusenden, die ganzen Briefe, die ganzen Dokumente. Aber in der Zwischenzeit mache ich alles für Männer, dass wir nach der Transition smooth weiterarbeiten können. Und ich wünsche euch einen schönen Abend und wir sehen uns morgen. Brian, will tomorrow be as well translated to English? Yes. Okay, so morgen Abend wird auch auf Englisch übersetzt werden, somit alles okay. Bis morgen. Tous les zooms seront traduits jusqu'à compréhension totale par l'entièreté du réseau. Todos los Zoom, todas las reuniones que vamos a hacer mañana, miércoles y después, vosotros vas a tener la traducción en inglés, en español también. Cada reunión, ¿ok? Hasta que vosotros podéis entender todo de la nueva manera de funcionar de Mainnet durante este problema. So all the Zoom meetings that we are going to have on the following dates will be translated into those languages until you have all of you guys understood the new way of working with Mainnet. So alle Zoom-Calls, die wir haben, bis die Transaktion vorbei ist, werden in Spanisch, Französisch und German bzw. Deutsch übersetzt, bis alles erledigt ist. Merci beaucoup. J'ai confiance en vous. Je vous demande de me faire confiance et vous allez voir, tout ira pour le mieux. On ira de l'avant et ce sera sur du long terme. Muchas gracias a vosotros. Tengo confianza en vosotros. Os pido, por favor, confianza en mí y vamos juntos a continuar Mainnet de verdad en largo tiempo. Thank you very much, guys. I'm very confident about you. And I'm also asking you to be confident about me. I know that we together will be here for a long time. So thank you very much and have a good evening. So danke an alle fürs hier sein. Ich fühle mich sehr wohl hier. Ich hoffe, ihr fühlt euch auch wohl mit mir. Und danke fürs hier sein und einen schönen Abend. Und wir sehen uns morgen. A dimanche, a mercredi. Mañana por la noche y hasta miércoles por la noche también. See you tomorrow night and on Wednesday also. Wir sehen uns morgen Abend und am Sonntag auch. Gute Nacht.